contre cette loi dite de sécurité globale, puisque dès le 21, les Gilets jaunes avaient initié une première manifestation ici à Auxerre, à Vallon samedi dernier, et puis dans tout le pays ce week-end, vous avez vu des marches très importantes, et ce soir encore, il nous paraissait opportun, vous verrez pourquoi, et toujours intéressant, de permettre de nouveau de nous réunir pour protester contre cette loi dite de sécurité globale. Alors aujourd'hui, effectivement, on a eu l'annonce que cet article 24, dont tout le monde a entendu parler, allait être réécrit. Et certains peuvent penser que, effectivement, c'est pas rien déjà pour ce gouvernement de revenir, puisque ce gouvernement arrogant et têtu, en principe, ne revient sur rien, surtout sur leurs erreurs. Et c'est vrai que c'est grâce aux mobilisations, grâce à cette mobilisation aussi, et c'est l'avenir, que le gouvernement, pour calmer un peu le bon peuple, a décidé que de réécrire cet article 24. Mais personne n'est dupe ici, personne n'est dupe. Que l'article 24 en lui-même, s'il a à juste titre cristallisé la colère, ne résume pas à lui seul la loi dite de sécurité globale. Donc, M. Macron, lui aussi, s'est ému sur les images que, malheureusement, on a subies, qu'on a vues, de ce producteur de musique molesté, tabassé. Et puis avant, il y a eu, avec les migrants, dégagés de la place de la République, sans ménagement, avec coup de pied, un journaliste également. Donc, on est tous ici et toutes bien conscients que c'est un... quelque chose de fondamental pour chacun d'entre nous et pour la République française. En ce moment, c'est la liberté qui est en cause. La liberté de presse, la liberté de manifester aussi. Et effectivement, cette loi dite de sécurité globale, elle a un esprit. Cet esprit, c'est la manière d'envisager le maintien de l'ordre. Il y a des pays comme l'Allemagne, par exemple, qui ont fait le choix de l'accompagnement, de la désescalade lors des manifestations. La France a fait un choix tout à fait contraire, celle de la confrontation. Et c'est ces confrontations, cet esprit qu'on retrouve dans la loi dite de la sécurité globale qui engendre ces violences. Le but, c'est de nous empêcher de nous exprimer. Le but, c'est de nous empêcher de manifester. Le but, c'est de nous priver de nos libertés. Celle de manifester, celle d'informer. Comme cet article 24, qui revenait notamment sur la liberté de la presse, je vous rappelle, fondamentale dans notre pays, pays des droits de l'homme et des libertés. Alors, cette manifestation, ces manifestations, ces rassemblements nous ont permis une première victoire, effectivement, la réécriture de l'article 24. Mais ne l'oublions pas, cette loi est déjà passée devant l'Assemblée. Elle a été votée à 328 voix contre 104 et 66 abstentions, pour ceux qui aiment bien les chiffres. Mais en tout cas, elle est déjà passée. La réécriture que propose aujourd'hui notre gouvernement, il y a à croire qu'ils ne connaissent pas les lois, puisque les prochains à pouvoir dire quelque chose sur cette loi, c'est les sénateurs. Puisqu'elle va passer déjà au Sénat, qui pourra amender, mais on peut en avoir des doutes légitimes, puisque vous connaissez la couleur du Sénat. Et puis, elle va revenir, effectivement, et peut-être que la loi et l'article 24 seraient réécrits. Mais je crois que le problème est beaucoup plus profond. Le problème, c'est cette loi en entier qu'il faut retirer. C'est pour ça qu'on est ici, et nous, on réclame pas simplement la réécriture de l'article 24. Les syndicats qui sont ici, représentés, Force ouvrière, Solidaire, CGT, FSU, nous, ce qu'on veut, c'est le retrait total de cette loi. Et quand on y sera, et on y est toujours, on a aussi un certain nombre de lois liberticides qui reviennent sur nos droits, parce que c'est un peu un leitmotiv de ce gouvernement, c'est qu'à chaque loi, à chaque réforme, c'est moins de droits pour les salariés, moins de droits pour les citoyens.
jusqu'à aujourd'hui à s'attaquer à la liberté. Et c'est bien pour demander, exiger le retrait de cette loi. Et comme je le disais, on est une organisation confédérée. Donc on syndique aussi des forces de police. On a un syndicat important à la police. Et je suis intimement persuadé que cette loi, elle ne répond pas aux revendications des policiers. Qu'est-ce qu'ils veulent les policiers? Ils veulent pouvoir avoir des conditions de travail correctes. Et c'est pas par la politique du maintien de l'ordre, c'est par la formation, c'est par avoir des moyens qui ne soient pas obligés, comme certains Robocop qu'on voit maintenant sur les manifestations, mais qui ne soient pas obligés d'acheter leur matériel. Il y a plein de policiers maintenant, ils sont obligés de maintenir leur, d'acheter leur matos. Ils n'ont aucune formation. Les niveaux de rémunération sont tellement faibles que le niveau de recrutement baisse sans cesse. Et c'est ce que condamnent les policiers. Alors nous, si on est là aujourd'hui pour manifester, c'est pour exiger le retrait d'une loi, une retrait de la loi qui s'attaque à toutes les libertés individuelles. Je pense qu'il faut regarder un petit peu dans le détail cette loi. Elle prépare la municipalisation et la privatisation de la, d'une politique qu'ils entendent devenir une, vraiment une politique de maintien de l'ordre. C'est un ordre sécuritaire qu'on est en train de transférer à la sphère privée. Un exemple tout simple. Vous prenez l'école nationale de police. Eh bien, la sécurité de l'école nationale de police, elle est assurée par une boîte privée. Voilà ce qu'ils sont en train de préparer. Alors, exiger le retrait de cette loi, c'est exiger que les images de vidéosurveillance ne soient pas utilisées, y compris par la police municipale ou par des services internes comme ceux de la SNCF ou de la RATP, qui sont de fait maintenant des services privés. C'est refuser que on utilise des drones pour surveiller les manifestations. L'utilisation de drones a été condamnée par le Conseil d'État il y a moins d'un an. Et ils le remettent, ils l'amplifient. Il y a dans cette loi des articles qui remettent en question l'individualisation des peines, c'est-à-dire l'indépendance de la justice. C'est le triptyque de la République qui est attaqué par cette loi. Donc c'est pas que l'article 24, je suis d'accord avec Philippe de la FSU, c'est pas que l'article 24, c'est l'ensemble de cette loi dont il faut exiger le retrait. Il faut exiger le retrait de cette loi parce que elle s'attaque aux valeurs fondamentales de la République. Le droit de manifester, le droit d'informer, le droit de filmer. Je vous rappelle que normalement, dans la législation, comme dans le code de déontologie de la police, le policier doit pouvoir intervenir à visage découvert. On doit avoir une vision totalement démocratique de l'intervention. Ça veut dire qu'il faut changer cette politique. Avant, la police, on les appelait les gardiens de la paix. Maintenant, on parle de maintien de l'ordre. C'est autre chose. Maintenir quel ordre? L'ordre des entreprises qui licencient, qui mettent des milliers de familles dans la misère, dans la précarité? Maintenir l'ordre en direction des entreprises qui se gavent d'argent public? Alors que dans le même temps, ils licencient. On était hier en manifestation pour défendre le site de RKS à Avalon, défendre 141 salariés qui sont menacés d'être balancés à la rue. C'est cet ordre-là qu'on veut maintenir? Mais bien sûr que non. Et si nous, hier, on était en manifestation, et si nous, aujourd'hui, on est là, c'est bien parce qu'on veut pouvoir contester démocratiquement dans la rue, pouvoir s'exprimer et dire que cet ordre-là, on n'en veut pas. Mais ce qu'on veut aussi, c'est que notre sécurité, notre paix à manifester, elle soit garantie. Et c'est normalement le rôle des fonctions régaliennes de l'État de protéger les populations, y compris celles et ceux qui contestent. Donc c'est pour toutes ces raisons que Force ouvrière continuera à s'exprimer dans le cadre intersyndical quand ça sera possible, pour exiger le retrait de cette loi, tout le retrait de cette loi, et pas uniquement l'article 24. Parce que je pense que ce soir, ce serait bien d'entendre des journalistes, s'il y en a dans la foule, et qui prennent la parole, puis qui nous expliquent un petit peu ce qu'eux attendent aussi. Donc, je sais pas s'il y a des gens du SNJ dans la foule qui pourraient prendre la parole. Nous sommes syndicat national des journalistes. On est venu avec une délégation de journalistes qui est avec nous.
Bon, j'ai écouté un petit peu ce qui se disait. Alors, il n'y a pas contradiction entre le fait d'être vent debout contre l'article 24 et d'être contre la loi de la loi sécurité globale. Simplement, bien évidemment, ce qui a soulevé dans un premier temps les journalistes, c'est bien sûr l'article 24, mais c'est pas une affaire de journaliste. J'ai lu parfois, c'est pas du tout une affaire de journaliste. C'est une affaire de journaliste, oui. Et de citoyens. Le fait que l'on veuille contraindre les photographes, les JRI, et en fait contrôler l'image, c'est pas une affaire uniquement de journalistes, c'est une affaire essentielle, c'est la loi de 1881, c'est la liberté de la presse, c'est le droit de chacun d'informer et d'être informé. Après, les journalistes, comme vous avez pu le voir, depuis 2 ans, ont beaucoup de difficultés dans l'exercice de leur boulot. On a beaucoup de photographes qui sont blessés, on a beaucoup de difficultés, et il n'y a aucune contradiction. On est là, la loi sécurité globale, elle nous inquiète. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent compléter. Voilà. Je pense que ça suffit. On est là pour ça, et on est là parce que effectivement, depuis un moment, nous-mêmes, moi j'ai un copain qui a été blessé. Enfin, les photographes ont beaucoup de mal à travailler, les journalistes ont du mal à travailler, et voilà. Et l'article 24, il faut quand même savoir que samedi, dans toutes les rues de France, Paris et ailleurs, il y a des milliers de journalistes qui étaient dans les rues. Et c'était pas arrivé depuis très longtemps. Il existe déjà toute une série d'articles, d'arrêtés, de lois qui protègent, y compris d'ailleurs, les forces de police contre une diffusion, une utilisation, je dirais, néfaste de leur image, qui protège leur famille. Donc déjà, commençons par appliquer les textes qui existent avant de faire des lois de circonstances qui n'ont d'intérêt qu'un intérêt électoraliste dans un calendrier assez proche, disons d'un an, quoi. Certains essayent de faire mousser leur carrière politique, et ça se fait au détriment des droits démocratiques, du droit à la vie privée, du droit d'informer, du droit de filmer. Et je le répète, normalement, c'est un droit de pouvoir filmer une opération de police en cours. C'est précisé dans le cadre de la loi. Un droit et un devoir. Oui, je suis entièrement d'accord. Donc, ça n'a pas de raison d'être. Donc, c'est pour ça, je le répète, qu'on est tous ici pour exiger le retrait, et rien que le retrait de cette loi. Le droit d'informer et la presse, mais il y a un ensemble d'articles, 21, l'utilisation des drones, c'est tout un état d'esprit, mais cet état d'esprit, on le retrouve, c'est pas, à la limite, c'est pas une surprise de ce gouvernement, puisque de nombreuses lois, quand on pense par exemple à la loi travail qui nous retire, la loi sur la fonction publique, pardon, qui nous retire le paritarisme, c'est quand même quelque chose aussi. Donc ça fait un moment d'ailleurs que l'intersyndicale solidaire CGT, FO et FSU, on est vent debout contre les différentes réformes, et à chaque fois qu'on peut organiser des mobilisations comme celle de ce soir, même si ça a été fait, on se le disait tout à l'heure, un peu dans l'urgence, je crois que c'est important. Et puis la preuve, c'est que malgré le temps de ce soir, vous êtes présents. C'est donc c'est des sujets vraiment très importants, et je pense que ce qu'on a obtenu, c'est pas rien, mais si on continue à être mobilisé comme ça, eh bien c'est vraiment la solution pour sortir de cette noirceur. Je présente le Salut Fraternel de la Libre Pensée de Lyon, qui ne peut que demander effectivement le retrait total de cette loi de sécurité globale, pas seulement de l'article 24. Il y a en particulier l'article 22, des drones partout pour une surveillance très étendue et de plus en plus. Pour une surveillance très étendue et de plus en plus invasive, ça c'est l'article 22. Les articles 20 et 21, à propos du respect de la vie privée qui est menacée avec la reconnaissance faciale, plus la privatisation de la police, plus l'élargissement du champ d'intervention des polices municipales. Cette loi constitue bel et bien, dans sa totalité, une atteinte gravissime à la liberté de la presse, au droit à l'information.
à la vie privée et au droit de manifester. Donc, retrait total de toute cette loi de sécurité globale. Je voudrais vous rappeler également qu'il y a d'autres lois liberticides macroniennes, loi du 30 octobre 2017 sur la sécurité intérieure et le terrorisme, transportant dans le droit commun les dispositions de l'état d'urgence, la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, la loi du 22 décembre 2018 relative à la manipulation d'informations. Toutes ces lois-là doivent être abrogées également. Et puis, j'en profite pour appeler à un rassemblement probablement le samedi 12 décembre, organisé par la Libre Pensée, pour abroger toutes ces lois liberticides et pour également le respect de la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État, qui est une loi de liberté de conscience considérable qu'il faut toujours et encore des artistes voilà. Et de la culture qui sont évidemment depuis des années en but contre cette société, mais sont évidemment pour la lever complètement d'une loi totalement liberticide, et vous savez que nous en faisons particulièrement les frais aussi en tant qu'artistes. Et donc, nous, le théâtre de la Closerie a pris position.